Ah, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsenus TV. On commence une nouvel épisode de Miss V. Et on va commencer simplement par visiter déjà l'appartement de Glenn. C'est le dernier. C'est le dernier. Je peux taper? Non, je peux pas. C'est le dernier appartement. Sinon, j'ai tout acheté. Ça y est. Tous les appartements sont à moi. Oh, j'ai pas vu ça. Et puis bah voilà, on va continuer ça tout gentiment. L'appartement est assez classe, hein, je dois avouer. Celui-là, il est un peu tranquille quand même. Il y a des enceintes, télé géant, un petit coin lecture. Ça me fait marrer. Une vue pas mal du tout pour le coup, assez large, assez aérée. Encore des enceintes de fou. Ah. Ça marche encore? Cool. Voilà, donc c'est. Oh là là, regardez-moi ça. Tout ça en construction, c'est beau. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'avais comme mission à faire? Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout. On peut parler à Judy, tout à fait. On va faire ça, on va parler à Judy, ce sera beaucoup plus simple pour le coup. Et je vais... Hop. Y aller. Je vous retrouve tout de suite devant chez elle, ce sera beaucoup plus simple pour vous et beaucoup moins chiant. Et j'enclenche le minuteur, c'est parti. Et re... Bon, allez, on y est. On y est en plein jour, mais c'est pas grave, hein, on va y aller. Hein. Ça va. Alors, allons parler à Judy. Judy. Toujours trop fort ici. Salut. Pas facile d'accès quand même, hein. C'était par là, je crois. Hop, voilà. Alors. T'abandonnes jamais, toi, hein? On n'a plus rien à se dire. Je croyais avoir été suffisamment clair. Il faut que je te le dise en quelle langue? Suzy a l'air de savoir ce qu'elle veut. C'est ta chef? C'est pour ça que t'es venu? Pour jouer à qui est qui chez les Mox? Ouais, il y avait une scène qui était un peu au début, puis je suis parti me balader. C'était quoi cette scène? Et je suis revenu, là. Tout le monde dans cette ville vit dans sa putain de bulle. Et du coup, soit tu sais nager, soit tu coules à pic. Elle est vraiment jolie. Hein. J'aime bien son style. Écoute, t'as pas vu Evelyne? Je dois lui parler, c'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque t'as foiré en beauté? Pas moi qui l'ai foiré. Tu pourrais répondre à ma question? J'essaie de trouver Evelyne. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Bah commence à chercher alors. Bonne chance. T'as l'air d'être au courant pour le casse. Ça veut dire que tu lui as parlé. Je sais que t'as merdé. Que t'as fait tuer tous tes Chumbas, comme une pro. Attendez, je vais mettre ça sur silencieux. Merci. Voilà. Je lui montre la blessure. Ah, oh, ouais, je lui ai montré la blessure. Ouais. C'est elle qui a commandité le casse, pas moi. Mais c'est toi qui l'a foutu en l'air. T'étais pas là. Tu sais que dalle. Très bien. On dirait qu'on est toutes dans le même bateau. Mais t'es désespérée. Je le vois sur ton visage. En même temps, c'est pas compliqué, hein. Ok. Disons que je suis dans la merde. La biopuce qu'on a volée pendant le casse, elle est en train de me tuer à petit feu.
Comme Eve a commandité le boulot, elle sait peut-être comment arrêter ça. C'est pour ça que je dois savoir qui l'a engagé. Admettons que je te crois. D'accord. Evelyn est une poupée. Elle bossait aux Clouds avant. Tu devrais aller voir là-bas. C'est où, au juste? L'adresse est dans l'étui à cigarettes, sur ma table. Prends-le et donne-le à Evelyn quand tu vas le retrouver. Une méga tour? C'est le grand luxe. T'as besoin d'autre chose? Tu crois qu'elle y serait retournée? Elle pense y être plus en sécurité qu'ici. On va comprendre. Ok, j'ai pas besoin de plus. Attends. Oui, quoi? Tu me diras comment elle va. Ok? Ok, je t'appellerai. Merci. Merci, Yves. Ouais, elle est soucieuse. Bah, c'est de l'argent, ça? Non, c'est pas de l'argent. Bon. Une poupée. Pourquoi je suis pas surpris? T'es un engramme dans un cerveau malade. Plus rien devrait te surprendre. Ouais, pas faux. Bon, alors on va voir là-bas, aux Clouds. C'est ça. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah c'est parti, hein. Il a pas l'air d'être contre, on va pas le contrarier. Allez, hop. Ah, je peux passer par là. Ah. Oh, oh. Ah oui, je suis déjà passé par là. Ah. Le club est fermé. Eh, hey, t'as pas autre chose à faire? Non. Vous vous êtes bien pris la tête avec Judy. Vous parliez de quoi? Je peux savoir en quoi ça te regarde? Toi aussi, tu vas me faire chier à parler de mes responsabilités envers les autres? Allez, vas-y, j'adore qu'on me donne des leçons. Simple curiosité. Ta simple curiosité, ça mène nulle part si t'as pas les points pour te défendre ou le cul pour encaisser. Vache. Tu sais ce qui est arrivé à Evelyn Parker? Pourquoi tu me demandes ça à moi? T'en as déjà parlé avec Judy. C'est vrai. Mais c'est toi la chef. T'en sais peut-être un peu plus. Evelyn a quitté les Mox il y a très longtemps. Et les gens qui font pas partie des Mox, c'est pas mon problème. Il paraît que vous donnez un coup de main aux gagneuses. C'est de l'histoire ancienne, ça. Et comme toutes les histoires, elle est assez sanglante. C'est quoi déjà? Il y a eu une émeute. Un Tiger Claw a tué une gagneuse? C'était pas la première, mais c'était celle de trop. Les gens sont devenus dingues. Tout le monde est descendu dans la rue. Les filles, les macs, les exclus, le cirque au complet. C'est comme ça que les Mox ont commencé, mais c'était il y a longtemps. On est une boîte maintenant, plus une œuvre de charité. On peut pas aider tout le monde dans cette ville. Faut s'occuper des siens. Les Mox passent d'abord. Sinon, ça va? Le club rapporte pas mal, j'imagine. Et il coûte aussi du fric. Pourquoi? Tu cherches à investir? Non. J'admire juste ton affaire. On a repris cet endroit il y a un bout de temps. Je me réveille tous les jours en me demandant comment il tient encore debout. Hmm. En tout cas, on s'en sort. C'est l'essentiel. Ok. Bon, pas trop bien. Evelyn, mon cul. Admets-le. T'es là pour les vertus de Judy, c'est ça? Je dois avouer que c'est de la super cam. Personne n'arrive à la cheville de Judy. Elle te taille les vertus comme des diamants. Ouais, c'est clair. C'est quand tu veux. Ok. Et toi, sinon, non, rien. Ok, d'accord. Bon, eh ben, on va aller au Cloud. Qu'est-ce que vous en pensez? On va y aller direct. Est-ce que c'est loin? On peut le faire en voiture, c'est pas loin. Allez. Alors, c'est cette petite voiture que j'ai trouvée dans le désert. Hop! Pardon! T'accélères, hein? C'est bon. Y'a pas un. Fais chier! Ah, qu'il y avait un bouton pour
klaxonner, mais non. Que nos masques sont pas bons, les demoiselles. C'est pas contre. C'était celui-là. Non. Alors, je conduis comme un caca, hein, c'est pas grave. Vous me pardonnerez. Ou pas, je pense. Ouais, la voiture, elle est pas mal. Un peu décabossée, mais elle est pas mal. Ou alors c'est ma conduite, je sais pas. Allez, allons voir cette terrible park. J'aimerais bien savoir un peu ce qu'elle en pense de tout ça. Ouais, c'est là-dedans. Ah, c'est là. Petit accrochage. Bon, enfin. Ouais, bon, on va y aller. Hein. Est-ce que j'en profite pour vider un peu mes poches? Ce serait peut-être pas mal. Qu'est-ce que j'ai à vendre qui serait bien? Ah oui, si, si, j'ai pas mal de trucs à faire. Hein. Quand je vous avais dit que j'avais vendu pas mal de... J'avais fait quelques petits voyages ici et là. Je déconne pas. Alors ça, c'est des conditions, mais... Non. Celui-là, il est très gros. Il est légendaire. Il est pas mal, hein, mais bon... voilà, ça m'a l'air bien. Ouais, 6000 en plus, c'est bien. Et j'ai fait deux fois plus. Et du coup, j'ai combien? 29 000, c'est bien. D'habitude. Donc t'as rien gagné? Décide-toi, là. Je suis pas déjà allé ici. Ce qui va pas. Ou alors ça me rappelle chez moi, je ne sais pas. Alors, attends. Voilà. C'est facile de gueuler. Par contre, m'emmener ailleurs, c'est impossible, hein. À mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Éclaire-moi. Miss Danse Sensorielle nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu deux Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. T'es de bonne humeur, dis-moi. Petit instant, parce que c'est bien ce qui me semblait que j'avais qu'une seule arme, ça va pas ça. Il va me falloir 323, boum, voilà. Et en armes de corps à corps, j'ai toujours ça. Et 322, 539, et ben voilà. C'est pas tous les jours qu'une pommarde avec le cerveau à moitié cramé me traîne dans un bordel pour une chasse à la pute. Alors ouais, moi je me bidonne. Arasaka et les Tiger Claws bossent ensemble. Va savoir pourquoi. Toutes les corpos ont les mains sales. Mais ce qui se passe dans la rue, c'est vraiment crade. Alors les corpos laissent ça aux gangs. Pour pas que les costards se tâchent. Ça te surprend? Pas tellement. Non. Ah d'accord, ok, il a décidé que... Ok, d'accord. Mais en fait, c'est chez moi? Non? Pas du tout, hein. Ça y ressemble en tout cas. Ah, pardon. J'ai mes yeux de rambé. Alors, on va un peu scanner la zone. S'asseoir et attendre le soir. Ah bah, c'est ce qu'on va faire, ce sera très bien. Ah bah, je vais m'asseoir sur ces bouts de... bouts de boulons qui ont l'air confortables. Ok. Tout doit se... Waouh, waouh, waouh. Vraiment rien, vous êtes sûr? Ça ressemble.
ressemble vraiment à la zone de chez moi. Hein. Ah oui, c'est... Ah. Ouh, vous savez quoi? Je vais être... safe. Bienvenue au Cloud. Voilà. Où nous savons ce que vous recherchez. Pourriez-vous vous connecter au terminal? Vous réalisez que les liaisons personnelles ne sont pas sûres. Un malware pour attaquer mon noyau. Et après, c'est un rein plus marat pour payer un charcutoc. Il nous faut les données de votre noyau pour vous associer avec une poupée. Juste un scan biométrique. Oui, c'est tout. S'il y a un souci, vous pourrez déposer une réclamation. Mais ça n'est jamais arrivé. Comment ça marche, tout ça? Un algorithme pilote les fonctions motrices de la poupée. Il exploite les données de votre profil pour... créer des expériences en temps réel. Les absorbeurs mémoriels sur la puce comportementale de la poupée l'empêchent de se souvenir de la séance. Alors il restera aucune trace de la rencontre? Eh bien, je pourrais vous dire que oui, mais il n'y aurait plus ni mystère, ni suspense, non? Une fois à l'intérieur, c'est vous qui fixerez les règles. Ok. Donc, c'est pas dangereux, mais il y a une part de risque. C'est ça. On peut le formuler ainsi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'obtient jamais ce à quoi on s'attend. Vous piquez ma curiosité. Comment vous pourriez bien savoir ce que je recherche? Le Cloud le sait toujours. Votre désir le plus secret, nous le trouvons. Nous satisferons vos besoins. Et peut-être plus encore. Le mot « moins » ne fait pas partie de notre vocabulaire. Eh bien. Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel, selon vos souhaits. Je veux juste lui parler, c'est tout. Voyons, ne vous en faites pas. Votre poupée vous parlera de tout ce que vous voudrez. Fais semblant de pas comprendre. Je vous laisse vous connecter. Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile. On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande direct au chef. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu entres comme cliente et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leurs cartes? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Ouais, pas con, ouais. Bon, allez. Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct. Alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Alors, on va voir si... Si vous ne vous sentez pas prête à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Je couperai. Samurai ou Afterlife? Afterlife. Afterlife. Voilà, c'est enregistré. J'aurais dû prendre banane ou... Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Sky ou Angel? Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique, avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Sky direct. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Bon, c'est que 500, ça. Et voilà. Le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9.
Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout. Toutes les armes sont strictement interdites aux Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Alors, heureusement que j'ai mes armes. Il n'y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste. Va te faire mettre, Johnny. Nous prendrons soin de tous vos jouets. Nous vous souhaitons un agréable moment. Grenade, ok. Mais normalement... Alors, j'ai plus d'armes, hein, on est bien d'accord. Putain, j'aurais dû revendre ces trucs-là. Mais en matériel cyber, pardon. Matériel cyber, normalement... Ouais, j'ai toujours ça. Et ça, c'est bon, ça, monsieur. Ça, c'est très, très bon, ça. D'ailleurs, ça me fait penser que le bras... Poc. Alors, thermique. Plusieurs cibles. Plusieurs... Ouais. Voilà. Ok. C'est du sang. Et B. Pas tellement mon style, mais bon. Ok. Je visite, hein. Juste ça. Ah, ça c'est bon ça. Ouais, comme je suis arrivé au niveau 18, du coup c'est vrai que... J'avais pas vu toi. J'aurais plus de choix si je me travaillais pas un certain parasite dans le crâne. Ah merde. Je peux encore l'effacer, non? Bon. Hein, je veux voir ce que ça donne. Oh.
je suis plus en combat. Je vais en profiter, je suis désolé, là, c'est parti en couille complètement. Je voulais faire un truc un petit peu plus. Eh merde. Je voulais faire un truc un petit peu plus soft, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais refaire. Ça a pas l'air d'avoir des conséquences. Ah oui, bon, ils m'ont repéré de toute façon, donc c'est mort en fait. Ouais, faudrait que je refasse le jeu là. Enfin, c'est pas grave. Allez, 1 c'est 55. 55, 55. 7A. BD, 7A. Voilà. Ça, c'est tout bénef. Allez, c'est parti. Mais je crois que c'est mort en fait, hein. Je ferais mieux de... Ah merde, j'ai fait une connerie là. Bon, c'est un... 1C. 55, 55... Oh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas réfléchi. Quelle naze. C'est pas grave. Ouais. Ça c'est l'ascenseur, ok. Bon, on va passer par là, on va regarder ce que ça donne. Putain, mais ça va pas bien dans ta tête. Ah si, ça va très bien. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais où je peux la trouver ? Parker ? Oh, alors ça, c'était un sacré show. Mais je sais pas si c'était à cause d'elle ou du client. Y a un truc que tu sais ? Tu t'adresses à la mauvaise poupée, mon chou. Si tu veux des infos, va voir Tom. Ou encore mieux, Woodman. C'est qui ce Tom ? Un très bon ami d'Evelyn. Si tu veux en savoir plus, va le voir. Il bosse ici ? C'est le dessus du panier aux clouds. Il est dans la zone VIP. Cabine 2. Ok. Je peux le trouver où, Swoodman ? Bureau administratif, à l'étage. Mais t'es sûr de vouloir faire ça ? Tu m'as bien dit d'aller le voir, non ? Ils tueront si tu essayes. Pourquoi ? Oh, bah, il fait quoi au juste, Swoodman ? Non, ça suffit. Je pourrais me faire virer pour tous les trucs que je t'ai dit. Alors, laisse-moi. Sors. Je sais pas, j'hésite, hein. Je pourrais monter, faire des trucs, là c'est la VIP, cabine 2, bon ok, 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 mais Et là je peux pas y aller, je parie. Je sais pas, franchement j'hésite beaucoup, j'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé la façon. Pas comme... S'il te plaît. Alors, poc. Normalement c'est la fin de la vidéo, mais je pense que je vais juste. Oh.
Ah, allez, c'est pas grave, on finit comme ça, ça sera très bien. Je ne sers plus à rien, de toute façon, je l'ai vraiment pas joué fino, donc on va recharger. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Arsenus TV et des bisous qui piquent. Allez, sors de là, qu'on en finisse. Bien évidemment. Des trucs à prendre, c'est bien. Mais on verra ça plus tard. Allez, des bisous qui piquent et à bientôt. Salut, salut.